Bienvenue dans cette nouvelle vidéo règle. Aujourd'hui on regarde Kiwara de chez Oz Edition. C'est un jeu de Bruno Catala pour 2 joueurs et 2 joueurs uniquement à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Kiwara, les joueurs incarnent 2 bandes d'animaux sauvages qui vont se disputer les différents territoires de la savane. Donc ici c'est le plateau de jeu qui représente cette savane avec un côté recto sur lequel les rivières sont dessinées et le verso sur lequel les rivières ne sont pas dessinées. Pour vos premières parties, vous allez prendre le côté sur lequel les rivières sont dessinées. Les animaux de la savane sont représentés par ces différents jetons. Il y en a 15 dans chacune des 2 couleurs puisqu'on a 5 zèbres, 1 éléphant, 6 gazelles, 1 lion et 2 crocodiles pour rouge et pour jaune. Pour la mise en place, les joueurs vont chacun prendre tous les jetons d'une couleur et ensuite placer ces jetons sur les différents espaces prévus sur le plateau. Donc ici on a les zèbres, l'éléphant, les gazelles, le lion et les 2 crocodiles. Et rouge fait la même chose de son côté. Vous avez également dans la boîte de jeu 10 cartes renforts qui représentent des animaux divers et variés. Pour votre première partie, vous allez tout simplement prendre l'okapi, donc avec le plus 5 qui est inscrit ici. Et vous allez le mettre sur le bord du plateau accessible des 2 joueurs. Les autres cartes, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Je vais expliquer leur pouvoir en fin de vidéo. Et donc, on peut les remettre dans la boîte. Même chose avec ces 30 petits bâtonnets en bois bleu qu'on ne va pas utiliser avec ce côté du plateau. Donc, pour l'instant, on peut les remettre dans la boîte. On ne va pas s'en servir pour cette première partie. Quelle est l'idée générale dans Kiwara? Eh bien, durant la partie, les joueurs vont petit à petit placer leurs animaux sur la savane et vont essayer de prendre des majorités sur les différents territoires qui sont représentés. Alors, un territoire, c'est une zone séparée des autres zones par des rivières. Par exemple, ici, on a un territoire à 3, ici, on a un territoire à 7, ici aussi, un autre territoire à 7, un territoire à 5, etc. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, les joueurs vont gagner la majorité sur un territoire s'ils ont plus de jetons sur un territoire. Par exemple ici, jaune a 2 jetons, rouge n'a qu'un seul jeton, ce territoire va à jaune. Et comme ce territoire va à jaune, il va marquer tous les points que vont lui rapporter les animaux sur ce territoire, que ce soit ses animaux ou les animaux que rouge y a placés. Sachant que vous avez ici, sur votre plateau de jeu, le nombre de points que chacun des animaux va vous rapporter. 6 points pour le zèbre, 5 pour l'éléphant, 2 pour les gazelles, 1 pour le lion et 0 pour les crocodiles. Évidemment, l'objectif final est de marquer plus de points que votre adversaire. Au début de la partie, le joueur qui a reçu le totem va devoir le placer sur le chemin de ronde, c'est-à-dire sur une des grosses pierres grises tout autour du plateau, celle de son choix. Donc par exemple ici, rouge, qui était premier joueur, va décider de placer le totem à cet endroit. Une fois qu'il a fait ça, c'est à son adversaire de jouer. Son adversaire va alors entamer un tour de jeu normal qui se décompose en 2 phases et les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le plateau soit entièrement rempli. Un tour de jeu se décompose en 2 phases. Tout d'abord, le joueur va choisir un animal et le poser sur le plateau et ensuite il va déplacer le totem. Donc ici, comme rouge a placé le totem, c'est à jaune de choisir un animal, celui de son choix, tant qu'il lui en reste, et de le placer sur le plateau. Alors il a une seule contrainte, c'est qu'il doit placer l'animal de son choix sur la colonne qui est en face du totem. Alors évidemment, il place son animal sur une case qui est vide, c'est-à-dire sur une case sur laquelle il n'y a pas encore d'animal. Par exemple ici, jaune décide de prendre, il prend une gazelle, il peut prendre ce qu'il veut, il n'y a pas aucune contrainte de ce point de vue-là. Il prend une gazelle, il va la placer ici. Donc on est bien en face du totem, sur une case vide, il n'y a pas de problème. Une fois que jaune a posé son animal, il résout éventuellement les effets de l'animal, puisque certains animaux ont des petits pouvoirs. Alors ici la gazelle, elle est toute seule, il n'y a personne autour, donc il n'y a aucun pouvoir à appliquer, donc il n'y a pas de problème pour ce premier tour. Et une fois que les pouvoirs des animaux ont été résolus, le joueur bouge le totem dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, de 1 à 3 cases. Par exemple, ici, jaune pourrait avancer le totem ici, ici ou ici. Et en faisant ça, vous comprenez bien qu'il va donner à rouge la colonne dans laquelle il va devoir jouer au prochain tour. Par exemple, si jaune déplace le totem ici, ça veut dire que rouge devra jouer dans cette colonne. S'il le déplace ici, il devra jouer dans cette colonne. Et s'il le déplace ici, rouge devra jouer dans cette colonne. Donc jaune se dit qu'il va mettre... il va avancer de 3 cases, donc il était ici. Il avance 2-3 cases, c'est 3 cases maximum, et son tour de jeu est terminé, c'est à rouge de jouer. Rouge a exactement les mêmes phases à faire durant son tour, il choisit d'abord un animal, alors lui il va prendre un zèbre,
et il le place n'importe où sur la colonne qui est libre. Et bien rouge va décider de venir ici, comme ça il commence déjà à disputer la majorité sur ce territoire à jaune. Pas d'effet particulier à appliquer pour le zèbre. Il bouge le totem, il va l'avancer de 1, 2, 3 cases. Alors il l'avance de 3 cases, puisque s'il l'avançait de 1 ou 2 cases, jaune pourrait revenir ici et rajouter des pions dans ce territoire, mais rouge préférerait mettre des pions à lui. Alors que s'il met le totem ici, jaune ne pourra pas revenir pour l'instant dans ce territoire-là. Donc jaune continue, jaune va décider de mettre un zèbre à cet endroit-là, et puis bouger le totem d'une case. Et puis rouge va décider de mettre une gazelle ici, de bouger le totem de 2 cases, hop, etc. Bah, jaune rajoute une gazelle dans la zone centrale, puis bouge le totem de 1, 2, 3 cases et la mène par exemple ici, tout en bas du plateau. Petite précision sur le déplacement du totem, puisqu'il peut arriver qu'à la fin de votre tour, lorsque vous voulez déplacer le totem, il y ait une des trois colonnes suivantes qui soit complètement occupée. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de déplacer le totem sur cette colonne. Vous êtes obligé de déplacer le totem sur une colonne libre. Donc par exemple ici, le joueur qui est ici ne pourrait déplacer le totem que sur cette colonne, où le joueur suivant pourrait jouer ici, ou sur cette colonne, là où le joueur suivant pourrait jouer également. Il peut aussi arriver vers la fin de la partie, quand on a de plus en plus d'animaux, que les trois colonnes suivantes soient complètement remplies. Dans ce cas, vous déplacez le totem jusqu'à la prochaine colonne libre. Donc ici, le totem passerait de cet endroit jusqu'à celui-ci, puisque s'il n'y a que dans cette colonne que le joueur suivant va pouvoir placer des animaux. Vous avez maintenant compris le principe de base du jeu. Chaque tour va se dérouler exactement de la même manière. On pose un animal, on bouge le totem. En plus de ça, vous avez deux animaux qui ont des petits pouvoirs particuliers. Ce sont le lion et le crocodile. Pour bien comprendre leurs deux pouvoirs, imaginons que la partie est un petit peu avancée et qu'on se retrouve avec des animaux qui soient dans cette situation. Donc le totem est ici et c'est à jaune de jouer. Donc jaune doit jouer sur une de ces trois cases. Alors jaune va décider d'utiliser son lion. Il va le placer bien au milieu ici. Le problème, c'est que le lion va d'abord faire peur aux gazelles. Donc lorsque vous placez un lion sur le plateau, toutes les gazelles qui sont sur des cases adjacentes orthogonalement au lion, donc c'est-à-dire les cases adjacentes, c'est celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Les cases en diagonale ici ne comptent pas. Les gazelles qui sont autour du lion vont retourner, elles prennent peur, elles s'en vont, elles vont retourner dans les mains de leur propriétaire. Donc ici, même si c'est jaune qui a placé le lion, la gazelle jaune revient chez lui, la gazelle rouge revient chez rouge, alors les joueurs pourront la replacer plus tard dans la partie, mais pour l'instant les gazelles sont parties. La gazelle qui est ici en diagonale ne prend pas peur puisque c'est la diagonale. Et les zèbres, eux, ne vont pas s'enfuir mais ils vont se cacher et comme ils se cachent, ils vont se retourner. Et quand vous avez un jeton retourné comme ça, il va toujours compter dans la majorité lorsque vous allez regarder qui possède le plus de jetons sur une zone. Mais par contre, un zèbre qui est retourné, un zèbre qui est caché, ne va plus rapporter aucun point à la personne qui gagnera la majorité sur ce territoire. Par contre, les éléphants, eux, ils n'ont pas peur du lion, donc même s'il y a un lion à côté, l'éléphant ne se retourne pas, il s'en va pas, il se cache pas. De toute façon, l'éléphant, il est recto verso, donc vous ne pouvez pas le cacher. Même chose pour les crocodiles, ils n'ont pas peur des lions, donc eux, ils ne s'en vont pas, ils se cachent pas, ils restent là où ils sont. Attention, ce pouvoir du lion va se déclencher au moment où il arrive sur le plateau. Donc lorsqu'il est posé, les gazelles qui sont à proximité s'en vont, les zèbres se retournent. Par contre, si plus tard dans la partie, je dois poser une gazelle près d'un lion, soit parce que j'ai pas le choix, ou alors parce que stratégiquement ça m'intéresse, je vais pouvoir le faire, mais je vais devoir poser la gazelle immédiatement face cachée. Donc elle peut s'approcher du lion, mais elle reste quand même assez loin pour pas qu'il la voie. Même chose pour les zèbres, si jamais un peu plus tard dans la partie vous devez poser un zèbre près d'un lion, vous le posez également face cachée. Petite précision sur les pouvoirs du lion, ceux-ci ne sont pas affectés par les rivières, donc ça n'a aucune importance qu'il y ait ou non une rivière entre un lion et une gazelle ou entre un lion et un zèbre, ils vont se comporter exactement de la même manière. Par exemple, si je mets le lion ici, ces trois gazelles vont partir, même si l'une d'elles était juste à côté du lion et les deux autres de l'autre côté de la rivière, ça ne change absolument rien. Bon, par contre, ces deux-là sont toujours en diagonale, donc le lion ne les voit pas, il n'y a pas de problème avec cela. Deuxième animal qui a des pouvoirs particuliers, c'est le crocodile. Alors imaginons ici que jaune place son crocodile ici. Le crocodile, lui, il ne va interagir qu'avec les gazelles
à condition que les gazelles soient de l'autre côté d'une rivière. Alors contrairement au lion pour lequel les rivières n'ont pas d'influence sur son pouvoir, là il faut absolument que la gazelle soit de l'autre côté de la rivière. Donc par exemple ce crocodile ne va pas interagir avec cette gazelle. Il ne va pas non plus interagir avec celle-ci ou celle-ci parce qu'elles sont en diagonale. Donc il ne peut interagir qu'avec ces deux-là. Lorsque le crocodile repère une gazelle de l'autre côté d'une rivière, il va se jeter sur elle, donc il va venir à sa place, et la gazelle va l'éviter et prendre la place du crocodile. Donc en gros, vous échangez la place des deux jetons si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le crocodile ici aurait très bien pu décider d'échanger sa place avec cette gazelle ici. Alors attention, si jamais vous placez le crocodile et qu'il y a une gazelle mais qu'elle est cachée de l'autre côté de la rivière, le crocodile ne la voit pas et il ne peut donc pas échanger sa place avec cette gazelle. Par exemple, dans cette situation, le crocodile pourrait échanger sa place uniquement avec la gazelle qui se trouve ici. Donc ça peut être intéressant pour venir prendre des majorités sur différents territoires. Par exemple, vous placez le crocodile ici, vous l'échangez, et ici il y avait 4-2 en nombre de jetons pour rouge, maintenant on n'est plus qu'à 3-2 pour rouge. Donc ça donne plus de chances à jaune de revenir pour reprendre la majorité sur ce territoire. Et puis dernier exemple avec les crocodiles, vous pouvez très bien enchaîner les échanges de gazelles. Donc par exemple, si j'utilise ce crocodile et que je le pose à cet endroit, donc il voit la gazelle qui est de l'autre côté de la rivière, donc il lui saute dessus, hop, il échange avec cette gazelle. Là, il revoit une gazelle de l'autre côté de la rivière, bah, il a le droit d'échanger avec. Il en revoit encore une, il a le droit d'échanger avec. Et il voit encore une dernière gazelle, il peut tout à fait venir faire un échange avec cette gazelle-là. Donc c'est un cas un petit peu particulier, en général il n'y en aura pas 4 d'affilée, mais vous avez tout à fait le droit de faire ça. Et enfin, on en arrive à la question des cartes renfort. Alors ici, je vous ai dit de prendre l'Okapi pour votre première partie, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour toutes les cartes renfort, quelles qu'elles soient. Donc il n'y en a qu'une seule par partie, et il n'y a qu'un des deux joueurs qui va pouvoir la récupérer. Comment on fait ça ? Imaginons qu'on soit dans cette situation après quelques tours de jeu, le totem est ici et c'est à Jaune de jouer. Jaune décide de jouer sa gazelle ici. Alors de toute façon, il n'a pas le choix puisque la ligne est complètement occupée. En faisant ça, Jaune vient de terminer complètement une zone et surtout, il vient de remplir la première zone remplie dans la partie. Lorsque ça arrive, le joueur qui a posé l'animal qui a permis de faire ça remporte immédiatement la carte renfort. Donc ici, c'est Jaune qui gagne l'Okapi. Vous constatez que ça ne dépend pas du nombre de jetons que vous avez sur le territoire. Par exemple, ici, Rouge avait 4 jetons sur le territoire et Jaune n'avait que 3 jetons. Donc Jaune n'a pas la majorité sur ce territoire, mais c'est lui qui a terminé le territoire avec son jeton gazelle. Donc c'est lui qui gagne la carte renfort. Et bien évidemment, comme il n'y a qu'une seule carte renfort dans la partie, on ne va attribuer de carte renfort que lorsque la première zone est remplie. Alors la première zone, c'est pas nécessairement celle du milieu, ça pourrait très bien être une zone à 3. Mais si plus tard dans la partie, par exemple Rouge, parvient à mettre un zèbre ici et à compléter cette zone à 3, il ne va rien gagner du tout à ce moment-là, en tout cas il ne gagne pas de bonus, il gagnera bien évidemment les points en fin de partie, mais il ne gagne pas de carte renfort puisqu'elle a déjà été attribuée auparavant. Petit cas particulier sur les cartes renfort, si jamais on est dans cette situation où on a un territoire avec une gazelle, un éléphant et qu'un joueur vient poser un lion à côté de la gazelle, le territoire n'est pas rempli puisque le lion fait fuir la gazelle immédiatement. Donc dans ce cas-là, personne ne va gagner de carte renfort, il va falloir attendre que quelqu'un revienne mettre un jeton ici pour compléter ce territoire pour qu'il gagne la carte renfort ou qu'on complète un autre territoire ailleurs sur le plateau de jeu. Deuxième cas un petit peu particulier dans le remplissage de zones, imaginons ici que le joueur rouge vienne poser un crocodile à cet endroit et qu'il décide de l'échanger avec la gazelle. Donc l'échange se passe, mais la zone est remplie. Alors évidemment c'est la gazelle qui vient remplir la zone, mais comme c'est le joueur rouge qui a déclenché ce processus, c'est quand même le joueur rouge qui va gagner la carte renfort et non pas le joueur jaune. La partie prend fin une fois que toutes les cases du plateau sont occupées. Alors attention, il peut arriver vers la fin de la partie qu'un joueur ait plus d'animaux qu'un autre, notamment parce que les lions ont renvoyé des gazelles dans sa main, etc. Donc il peut arriver qu'un joueur n'ait plus d'animaux à poser alors que l'autre en a encore certains. C'est pas grave du tout, le joueur à qui il reste des animaux va continuer à les poser sur le plateau de jeu jusqu'à ce que toutes les cases soient occupées. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au décompte des points. Donc si on prend cette situation que nous avons ici, on va d'abord regarder pour chaque zone qui possède la majorité. Donc la majorité c'est un nombre de jetons. Si on regarde cette zone là, rouge a 3 jetons, jaune a 2 jetons,
Donc rouge va gagner tous les animaux de cette zone. Alors celui-là lui rapporte rien, mais c'est pas très grave, il le met de côté. Cette zone-là, c'est rouge également qui a la majorité, donc rouge gagne tous les animaux. La zone centrale, c'est rouge également. Donc rouge va gagner tout ça. Hop. La zone ici, c'est jaune, qui a 3 jetons contre 2. La zone ici, c'est jaune également. Là aussi, on a 2 jetons contre 1. Et cette zone-là, c'est encore jaune, qui a 4 jetons contre 3. Hop. Si on regarde d'abord le score de jaune, ça va lui faire 6 x 6, 36 points. Donc ça, c'est énorme, il a gagné beaucoup de zèbres. Plus 5, ça lui fait 41. Plus 43, 45, 47, 49, puisque chaque gazelle vaut 2 points. 50 avec le lion, les crocodiles c'est 0, les cartes, les jetons face cachée c'est 0, donc cette gazelle ne lui rapporte rien. Plus les 5 points de son okapi, qui sont 5 points supplémentaires en fin de partie, ça lui fait donc 55 points. On fait ensuite la même chose avec les jetons de rouge, donc rouge a gagné 4 zèbres, ce qui lui fait 24 points. Un éléphant, donc ça lui fait 29. 1, 2, 3, 4, 5 gazelles, donc 5 x 2, 10, ça lui fait 39. Plus un lion, 40. Les deux crocodiles ne rapportent aucun point, et les deux gazelles qui sont face cachée ne rapportent aucun point. Donc rouge a marqué 40 points contre jaune 55, c'est donc une victoire écrasante du joueur jaune 55 à 40. Vous connaissez à présent les règles de base du jeu de Kiwara, mais la règle propose également un certain nombre de variantes si vous voulez renouveler un peu vos parties. La première variante qui est possible, c'est la variante le renfort mystère. Donc parmi les cartes renfort, on a déjà vu l'Okapi, qui donne 5 points de victoire à la fin de la partie, mais on a également tout un tas d'autres cartes qui ont chacune un pouvoir particulier. Donc comment se déroule cette variante? Vous allez prendre toutes ces cartes renfort et bien les mélanger. Ensuite, vous les mettez sur le bord du plateau, dans une pile face cachée. Dans la partie, lorsque le premier territoire de la savane est totalement rempli, le joueur qui a posé le dernier animal dans ce territoire va pouvoir piocher la première carte de la pioche. Donc exactement de la manière dont on récupère l'okapi, sauf que là on ne sait pas ce qu'on va récupérer parmi les 10. Le joueur pioche donc la carte renfort et la place face visible devant lui. Imaginons que ce soit rouge qui ait gagné cette carte. A partir de là, le joueur va pouvoir utiliser le pouvoir de cette carte à son avantage. Ces différentes cartes renfort vont chacune avoir un effet un petit peu particulier dans la partie, qui est un effet différent de celui de l'Okapi, puisque l'Okapi, lui, c'est juste 5 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Ces différents animaux, eux, vont avoir un effet qui est applicable une fois durant la partie, c'est une sorte de coup unique, un bonus que vous allez pouvoir utiliser au moment où vous jouez la carte. Par exemple, si on prend le pouvoir du boa, le boa, lui, une fois que vous avez déplacé le totem, donc imaginons que ce soit rouge qui ait déplacé le totem, hop, il l'amène ici. Rouge va pouvoir jouer le boa, c'est-à-dire qu'il va le retourner pour montrer qu'il l'a utilisé, et donc qu'il ne pourra plus l'utiliser, pour imposer la case dans laquelle son adversaire va devoir jouer. Donc il ne choisit pas la rangée, c'est toujours la rangée dans laquelle se trouve le totem, mais il peut dire à jaune par exemple, bah tu vas jouer ici. Et jaune par contre peut choisir l'animal de son choix pour le placer à cet endroit. Par exemple, il peut très bien choisir une gazelle. Le babouin, lui, est très intéressant parce qu'il va vous permettre, lorsque c'est votre tour de jouer, de pouvoir jouer soit dans la colonne qui est avant le totem ou dans la colonne qui est après le totem. Donc par exemple ici, le totem est là, normalement le joueur devrait jouer soit ici, soit ici. Si le joueur décide d'utiliser le babouin, il pourra jouer dans cette colonne ou dans cette colonne. Donc ça lui donne beaucoup plus de flexibilité. Lorsque vous activez le pouvoir du vautour, vous avez le droit de renvoyer chez son propriétaire un animal qui est face cachée sur le plateau. Alors ça peut être un animal de votre couleur ou un animal de la couleur de votre adversaire. Par exemple, le rouge pourrait très bien décider de reprendre cet animal qui est face cachée, donc c'est un zèbre, il le reprend, il le remet chez lui, ou il pourrait renvoyer cet animal-là, qui est un zèbre également, chez le joueur jaune. Le rhinocéros ressemble assez au vautour, puisque lui, vous allez pouvoir l'activer pour renvoyer chez son propriétaire un jeton d'animal qui se situe sur une des cases périphériques du plateau, donc toutes les cases extérieures, et qui est face visible. Donc par exemple ici, si rouge le joue, il pourrait reprendre sa gazelle chez lui, reprendre son zèbre, reprendre cette gazelle-là ou reprendre ce crocodile,
ou alors il pourrait renvoyer chez Jaune cet éléphant ou renvoyer chez Jaune cette gazelle. Donc ça peut être intéressant pour prendre une place que vous convoitez en renvoyant l'animal chez lui et en mettant un de vos animaux à la place. Le porc épic, c'est un petit peu le contraire du boa, puisque lorsque vous jouez le porc épic, vous allez pouvoir interdire à un adversaire de jouer sur une des cases où se situe le totem. Par exemple, vous venez de déplacer le totem ici, vous retournez le porc épic et vous dites à votre adversaire, bah tu peux pas jouer ici. Donc il pourra jouer sur cette case ou sur cette case, mais cette case lui est interdite pour ce tour. Alors attention, évidemment, s'il ne reste qu'un seul emplacement de libre dans la colonne, vous ne pouvez pas interdire au joueur adverse de jouer à cet endroit-là. Le gnou, quant à lui, vous permet, lorsque c'est à vous de déplacer le totem, de le déplacer en sens anti-horaire. Donc au lieu de faire 1, 2, 3 de ce côté, vous avez le droit de faire 1, 2 ou 3 dans l'autre sens. La hyène, quant à elle, vous permet, lorsque c'est votre tour, de placer non plus un jeton, mais deux jetons dans la rangée indiquée par le totem. Par exemple ici, Jaune pourrait très bien placer deux gazelles dans cette rangée, ce qui lui permettrait de gagner deux jetons de majorité sur le territoire central. Et quand vous faites ça, vous êtes autorisé à ricaner, c'est indiqué dans la règle. Lorsque vous utilisez le facochère, vous allez pouvoir interdire à votre adversaire de jouer un animal durant son tour. Par exemple ici, si Rouge avance le totem de une case, et que c'est à Jaune de jouer, Rouge peut décider de déclencher le pouvoir du facochère, donc il le retourne, et interdire à Jaune de poser un animal. Donc Jaune ne peut faire que la deuxième phase de son tour, il n'a pas le choix, il est simplement obligé de déplacer le totem sans avoir eu l'occasion de rajouter un zèbre ou une gazelle ou un lion. Donc Jaune déplace le totem et c'est de nouveau à Rouge qui va pouvoir placer un animal. Et enfin, la girafe est un petit peu particulière puisque lorsque vous utilisez son pouvoir, vous allez la défausser et piocher 3 cartes sur la pile des cartes renforts qu'on a faites au début de la partie. Parmi les 3 cartes que vous piochez, vous allez ensuite pouvoir choisir la carte qui vous convient le mieux et la placer devant vous. Et c'est la carte que vous pourrez utiliser ensuite comme un coup unique en appliquant le bonus tout à fait normalement. Alors, petite précision, lorsque vous utilisez ces cartes renforts, il peut arriver qu'il y ait des égalités à la fin de la partie au niveau des scores. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui a récupéré la carte renfort qui remporte la partie. Deuxième variante que vous allez pouvoir utiliser dans Kiwara, c'est la variante à vaincre sans péril. Donc cette variante, elle s'adresse à des joueurs, par exemple des joueurs expérimentés qui vont jouer contre des joueurs qui découvrent le jeu, ou alors des adultes qui jouent contre des enfants, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'on va donner au joueur qui connaît moins bien le jeu un petit avantage en début de partie pour équilibrer un petit peu les choses. Donc dans ce cas-là, vous allez encore prendre les cartes renforts, vous allez les mélanger et donner au joueur le plus faible une carte renfort dès le début de la partie qu'il va pouvoir utiliser quand il le souhaite. Donc c'est un bonus supplémentaire qu'il va gagner dès le début de la partie. Alors ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir justement des cartes renforts sur le côté et que le premier joueur qui remplit une zone gagne une carte renfort, mais ça donne au joueur un peu moins expérimenté plus de chances contre l'autre joueur. Si vraiment vous jouez contre quelqu'un qui est très débutant ou très nul, bah, vous pouvez tout à fait lui donner deux cartes en renfort dès le début de la partie pour équilibrer les chances. Et enfin, la dernière variante que vous pouvez utiliser dans Kiwara, c'est la variante plateau libre. Donc dans ce cas, vous prenez le plateau du côté où les rivières ne sont pas dessinées et c'est là qu'on va utiliser les petits bâtonnets en bois bleu. L'idée, c'est que comme les rivières ne sont pas dessinées, c'est vous qui allez dessiner les rivières avec les petits bâtonnets. Donc par exemple, si je dessine ça comme ça, je vais créer une zone A3 et ça vous permet de faire le paysage qui vous convient avec les zones qui vous conviennent. Alors évidemment, comme c'est un jeu de majorité, il faut faire des zones impaires, donc des zones A3, A5, A7 ou A9. Vous ne pouvez pas faire des zones A2, A4 ou A6, sinon ça veut dire qu'on ne peut pas départager les majorités, ce qui est quand même assez embêtant. Donc vous faites comme vous voulez, vous avez également dans la règle deux petits exemples que vous pouvez reproduire, qui vous permettent de changer du plateau de base, comme ça, ça vous donne déjà des idées de création, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ce qui est proposé dans la règle, vous pouvez faire exactement le territoire qui vous plaît pour faire les parties que vous avez envie de jouer. Donc voici un petit exemple de ce que vous pouvez réaliser avec les bâtons qui sont dans la boîte et avec le modèle fourni dans la règle de jeu. Ça fait donc un terrain assez différent du terrain de base et ça renouvelle les parties. Et puis évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser le plateau libre avec la variante du renfort mystère. Donc pareil, vous mélangez la pioche de renfort sur le côté et vous pouvez faire une partie en mixant les différentes variantes.
Et voilà, c'est tout pour Kiwara. Alors pour ceux qui connaissent, Kiwara, c'est la réédition d'un jeu qui autrefois s'appelait Drôle de Zèbre, mais avec un nouveau matériel et de nouvelles variantes de jeu. Donc c'est un jeu de majorité et de placement très simple, mais aussi assez stratégique. Il faut faire attention à l'endroit où vous placez vos animaux, l'animal que vous allez utiliser. Et surtout, n'oubliez pas, lorsque vous déplacez le totem tout autour du plateau, à bien penser, à bien essayer d'anticiper ce que va pouvoir faire votre adversaire et les actions qu'il va pouvoir réaliser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo règle.